Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Nous sommes bénis Seigneur de te connaître et de t'appartenir. Quelle joie pour nous Seigneur de nous retrouver ce matin autour de ton saint nom Seigneur, le seul nom qui nous a été donné, Jésus notre Dieu. Jérémie chapitre 17, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9 ou le verset 8. Jérémie chapitre 17, 5 à, on lira jusqu'à 8. Alléluia. Il nous est dit ceci: ainsi parle Yahweh, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui fait de la chair sa force et dont le cœur se retire de Yahweh. Car il sera comme la bruyère dans le désert, il ne verra pas venir le bonheur. Mais il habitera dans des lieux brûlés du désert, dans une terre salée et inhabitable. Le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est l'espérance, car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines le long d'une eau courante. Et quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas et sa feuille restera verte. Il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse et il ne cessera de porter du fruit. Alléluia. Il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse et il ne cessera de porter du fruit. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour le débarquement des élus du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans un temps où Jésus réveille de plus en plus son peuple, son épouse. Et c'est vraiment une action du Saint-Esprit. Et lorsque
les programmes sont organisés comme aujourd'hui. Nous nous retrouvons avec les frères et sœurs de différents endroits. C'est vraiment une bénédiction et une grâce. Alléluia. Et ici, bien-aimés, la Bible dit que ceux qui se confient dans l'être humain ou la chair ne pourront pas connaître le bonheur, la joie et l'épanouissement. Mais par contre, ceux qui se confient en Yahweh seront bénis. Ils pourront être épanouis. Ils pourront être heureux, heureuses durant toute leur existence. Nous sommes dans un temps où le monde est plongé dans la crise. Nous sommes dans un temps où tout est difficile partout. Et les êtres humains souffrent. Les familles sont détruites, les couples sont détruits, les enfants sont livrés à eux-mêmes, les vies sont brisées, la violence augmente de plus en plus. Même l'insécurité augmente, il y a des guerres partout. Il n'y a pas la paix sur la terre. Il n'y a pas vraiment le bonheur que chacun pourtant espère. Parce que personne ne peut vivre et ne veut vivre malheureux. Chacun espère réussir dans la vie. Il y en a qui font des études, qui font des formations, etc. en espérant avoir une vie un peu stable sur le plan familial et construire quelque chose de stable pour être heureux. Mais on s'aperçoit, quand on s'y met, que la réalité n'est pas celle qu'on espérait forcément. On a affaire à beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévues. Et la plupart du temps, chacun se retrouve limité, chacun se retrouve bloqué et sans solution. Et alors, comme le diable aime toujours sauter sur l'occasion quand les êtres humains souffrent pour leur présenter une forme de solution, alors qu'il sait très bien que Dieu nous aime et il veut nous voir heureux et épanouis parce que nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Si nous existons, c'est par la volonté de Dieu. Personne n'existe par lui-même, même ceux qui croient que leur vie est une erreur, que leur vie, donc ils sont des ratés, des gens qui ne devaient même pas exister ou vivre, ils ne méritent même pas de vivre. Mais laisse-moi te dire ce matin de la part du Seigneur que ton existence est voulue par Dieu. Alléluia! Ton existence est voulue par Dieu. Et si ton existence, mon existence est voulue par Dieu, alors Dieu veut que nous soyons aussi heureux, heureuses et épanouis. Et il veut aussi au travers de nous, eh bien, communiquer ce bonheur aux autres. Alléluia. Mais comme le diable, comme je disais, aime devancer le Seigneur, pas dans le sens où il soit plus fort que le Seigneur, mais il aime séduire pour brouiller les pistes. Parce qu'il sait que si chaque enfant de Dieu, chaque être humain, même ceux qui ne croient pas en Dieu, entendent la voix du Seigneur un jour et décident d'aller vers lui, ces gens seront bénis. Satan le sait très bien. Le malin le sait très bien. Alors c'est pourquoi il propose des solutions, il brouille les pistes pour qu'on soit perdu. Alléluia. Alléluia. Les hommes vont mettre en place tout un tas de solutions pour que nous puissions connaître l'épanouissement dont on a besoin. Alors la science va proposer des choses. Alléluia. Les magiciens vont proposer des choses. L'astrologie va proposer des choses. Personnellement, je travaille avec des personnes qui ne croient pas en Dieu. Je peux m'apercevoir chaque jour quelle importance ils attachent, par exemple, à comment on appelle ça là, l'astrologie, l'horoscope. Chaque jour, vers 8h ou 9h, c'est l'heure de l'horoscope. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, je vous assure, parce que je travaille dans la métallurgie, chacun a son poste radio sur donc à côté de son poste de travail. Alors, à l'heure de l'horoscope, ils demandent du silence. Alors que d'habitude, parfois, ils discutent les uns avec les autres. Parfois, je rigole, parce qu'il y a un collègue qu'on partage souvent là. Je me dis, mais toi, tu dis que tu crois en rien, tu crois même pas en Dieu. Mais regarde avec quel engouement tu suis l'horoscope. Chaque jour, il faut pas le déranger quand c'est l'heure de l'horoscope. Alléluia. Alors lui, peut-être son signe astrologie, je sais pas, c'est peut-être le bélier ou le capricorne ou je ne sais pas quoi. Alors il écoute attentivement
l'horoscope jusqu'à quand ce sera son tour. Alors les Capricornes, aujourd'hui, vous allez connaître une journée bénie, vous allez faire des bonnes rencontres, les gens vont être agréables envers vous, etc. Vous allez avoir des bonnes surprises aujourd'hui, vous passerez une bonne journée. Ah, là, il se sent bien. Quand l'horoscope est fini, il revient vers moi avec sourire. Il dit, c'est bon, j'ai entendu ce qu'il me fallait aujourd'hui. Il dit, ah bon, mais pourtant, quand je te parle de Jésus, je te parle de Dieu, tu dis que tu crois en rien. Mais pourtant, regardez comment... Donc, l'être humain a besoin de se rassurer chaque jour. Alléluia. Donc, quand je vois ça, je me rends compte à quel point chacun a besoin de Dieu. Parce qu'il y a un vide au fond de chacun. Et Dieu avait prévu que ce vide soit comblé par sa présence. Personne ne peut remplir ce vide. Personne ne peut remplacer ce vide à part Dieu lui-même. Alléluia. Alors l'ennemi saute sur l'occasion et brûle les pistes. L'astrologie, eh ben, la science propose des choses. Eh ben, tout ce que vous voulez, les hommes mettent en place des séductions. Et ça va même sur le plan spirituel. Plein de gens se lèvent et proposent des formes de solutions. Il y en a qui s'autoproclament pasteur, apôtre, prophète. Venez dans notre ministère, vous allez avoir ceci, cela. Hein? Et ils font exactement... comme les gens qui, dont vous voyez les voyants là, hein, quand ils mettent les petits tracts là, dans les boîtes aux lettres des gens, ils précisent dessus, hein, tel monsieur grand voyant, spécialiste ou alors spécialisé dans le retour de celui qui vous aimait à votre foyer, spécialisé dans les finances, spécialisé dans les histoires d'amour, et ils mettent là avec un numéro de téléphone. Mais, aux yeux de tout le monde, chacun cache ça. Eh bien, on prend comme ça, là, dans les coulisses, on compose le numéro. On appelle. Allô? Hein? Est-ce que je peux avoir monsieur Aboubakar ou monsieur, je ne sais pas comment? Quel est votre problème? Ah non, mais en ce moment, mon couple, ça ne va pas. Mes enfants, ça ne va plus. Mes finances, ça ne va plus. Et chacun le fait en cachette. Alléluia. Mais Dieu voit ça. Et l'ennemi aussi le voit parce qu'il rôde, il tourne pour voir. Bien-aimé, le cœur du Seigneur souffre et le Seigneur est triste parce qu'il sait qu'il a tout accompli pour nous sortir de là. Alléluia. Mais on peut s'apercevoir ce besoin que l'être humain a, ce vide que chacun a, il cherche à le combler de différentes manières. Et on s'aperçoit des années après des années qu'on n'y arrive pas. On s'en sort pas. Tout ce qu'on a bâti, rien n'aboutit réellement. Mais qu'est-ce que je peux faire? Où puis-je aller? Vers qui puis-je me... Est-ce que je peux me tourner? Et là, le Seigneur, sa voix retentit. Comme on nous l'a dit depuis tout à l'heure. Surtout en cette fin des temps, bien-aimés. Dieu suscite des voix à gauche, à droite, dans différentes villes, dans les nations. Dieu suscite son église, il réveille son peuple pour qu'il sonne la trompette, pour qu'ils annoncent son retour, qu'ils annoncent la véracité de son existence. Parce qu'il sait que l'être humain qu'il a créé a besoin de lui. Et Dieu dit, quiconque s'appuie sur l'homme ou sur ce que l'homme met en place ou il bâtit, cette personne ne pourra pas connaître le bonheur. Et Dieu dit carrément qu'il sera maudit. La malédiction dépasse même, bien-aimé, les petites souffrances que quelqu'un peut avoir. Ça veut dire que ta vie, c'est tu ne pourras jamais y arriver. Tout est foutu, quoi. Et en parallèle, le Seigneur dit, celui par contre qui s'appuiera sur lui et dont Yahweh sera l'espérance ou le rocher ou la fondation sur laquelle tu bâtis ta vie, tu bâtis ton couple, tu bâtis ta foi. Eh bien, cet homme-là, cette femme-là sera heureux. Alléluia. Alléluia. Et, bien aimé, il y a des séductions même sur le plan spirituel, comme je le disais tout à l'heure. Le diable envoie ses émissaires, des gens qui viennent avec toutes sortes de séductions. Laissez-moi vous dire, quand Dieu a vraiment appelé quelqu'un, la personne n'a pas besoin de faire des pubs. Parce qu'il sait en qui il a cru. Il sait qui l'a appelé. Mais par contre, alléluia. Par contre, ceux qui ne sont pas appelés par le Seigneur, ceux qui, parce que dans Matthieu chapitre 19 par exemple, hein, le verset 12, on nous parle de trois types d'eunuques. Il y a des eunuques qui se sont établis, donc il y en a qui ont été établis par les hommes. Il y en a qui se sont fait eunuques eux-mêmes parce qu'ils ont vu qu'il y a plein de besoins. Ils ont dit, mais il faut bien répondre à tous ces besoins-là, donc ils s'improvisent eunuques. Mais la Bible dit, il y en a qui le sont dès le ventre de leur mère.
Alléluia. Oh, Dieu de gloire. Mais dites-moi, dans le ventre de sa mère, qui l'a établi? Hein? Quel homme t'a établi dans le ventre de ta mère? Il n'y a que le Créateur qui peut t'établir. Alors que tu n'es même pas encore né. Alors que tu n'es même pas encore né. Dieu t'établit déjà. Waouh! Alléluia. Alors cela là, c'est une autre catégorie. Dis à ton voisin, c'est une autre catégorie. Il y a plusieurs catégories. Il y a les catégories qui viennent des hommes. Il y a des catégories qui viennent du diable. Mais il y a la catégorie qui vient de Dieu. Alléluia. Et frère, frère, sœur, si tu es de la catégorie de Dieu, tu es dans le calme et le repos. Tu es dans l'assurance. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Même s'il pleut, même s'il neige, même si les gens se lèvent, même si le monde entier est contre toi. Mais tu sais que ton Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui met le point final. Alléluia. Waouh. C'est trop fort. Dis à ton voisin, c'est trop fort. Dis-lui encore, Jésus est grand. Frère, regardez le verset 8. Ceux qui sont de la catégorie de Dieu. Oh, j'espère de tout mon cœur que tu es de ceux-là. Alléluia. On dit, ceux-là, là, il sera comme un arbre. Si tu es de la catégorie du Seigneur, tu seras comme un arbre planté près des eaux. Et qui étend ses racines le long d'une eau courante. Quand la chaleur viendra, quand on parle de chaleur, on voit les problèmes, les soucis, les intempéries, les imprévus de la vie, les combats, tout ça là. Quand ça viendra, la Bible dit qu'il ne s'en apercevra pas. Pourquoi il ne s'en aperçoit pas? Parce qu'il est caché quelque part. Il est caché où? Il est caché dans son Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Paul dit que nous sommes cachés en Dieu par Jésus-Christ. Dis à ton voisin, si tu ne savais pas, moi je suis caché. Alléluia. Il s'en aperçoit pas. C'est-à-dire, ceux qui sont bâtis sur le Seigneur, pendant que le monde s'agite, pendant qu'il y a la crise, pendant que tout le monde s'inquiète, pendant qu'il y a des docteurs, des pasteurs, soi-disant des apôtres, des prophètes, qui se lèvent et disent, venez chez nous, vous allez entendre le message. Et ils téléphonent aux gens dans les coulisses, venez chez nous. Parce qu'ils ne savent, ils n'ont pas confiance, parce qu'ils n'ont pas été appelés. Parce que si tu as été appelé, tu n'as pas besoin de téléphoner aux gens dans les coulisses. Venez dans mon enseignement, venez dans ma réunion, venez dans... Non, tu n'as pas besoin, mais par contre, tu mets le programme et tu vas fléchir les genoux. Tu dis, Père, attire tes enfants, attire ton peuple, attire ton peuple. Waouh! En qui as-tu cru? En Jésus, pour tes finances, tu n'as pas besoin de paniquer, d'aller voir des banques et des assurances bizarres, des gens de bonne aventure qui vont t'annoncer de bonnes aventures sur ton avenir. Tu as besoin d'aller fléchir les genoux. Tu dis, Père, souviens-toi de moi, pour ta famille. Père, souviens-toi de ma famille, de mes enfants, de mes projets. Et comme tu es enraciné en lui, il va s'en occuper. Alléluia. Mais par contre... Vous voyez la joie que ça nous fait parce qu'il y a la vie de Dieu. Mais par contre, ça suscite des jaloux après. Quand Dieu te bénit, il y a des jaloux après. Dieu te faisait, mais ce n'est pas ma faute si Dieu m'a béni. Alléluia! Les jaloux, ils vont se fatiguer avant mon Dieu. Les jaloux, ils vont se fatiguer avant mon Dieu. Mon Dieu aura toujours le dernier mot. Ton Dieu aura toujours le dernier mot. Alléluia! Jésus! Ils vont se fatiguer avant celui qui t'a planté là. C'est avant celui qui t'a béni. Et regardez bien aimé la fin. Hein? On s'en aperçoit pas parce qu'on n'a pas le temps à la distraction. Pendant que tout le monde dit, ah oui, un tel a fait ci, un tel a fait ça. N'allez pas là-bas, il y a danger. N'allez pas voir le faux prophète là-bas. N'allez pas. Mais moi, je n'ai pas le temps à ça. Toi, tu n'as pas le temps à ça. Tu es dans la présence de ton père. Ton père te parle. Même quand on critique des frères ou des sœurs qui servent Dieu, tu dis, tu vas auprès de ton père. Tu dis, papa, qu'est-ce qu'il en est? Parle-moi sur tel serviteur. Parle-moi sur telle personne. Ton père te parle. Alléluia. Ce matin, c'est le rendez-vous de ceux qui ont une vie avec Jésus. Jésus vit en toi, il vit en moi, il vit en nous.
personne ne pourra l'empêcher. Père, parle-moi. Et il te parle. Pendant que tout le monde fait les blablabla, tu dis, mais c'est bien les blablabla, mais je dois aller voir la confirmation auprès de mon père. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Dis à ton voisin, moi je suis posé. Dis-lui, j'ai pas besoin de m'agiter. Dis-lui, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Dis-lui, je n'ai pas besoin de paniquer. Parce que mon père est au contrôle. Alléluia. Ce matin, Dieu veut fortifier ta foi. Dieu veut te montrer qu'il t'a élu. Il t'a choisi. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la bénédiction de Dieu dans tes projets. Waouh! Sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Et on nous dit après, quand la chaleur viendra, bien-aimé, hein? Donc il étend ses racines le long d'une eau courante. Et quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas parce que et son feuillage reste vert. Il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse et ne cessera de porter du fruit. Nous sommes dans l'année de la sécheresse. Dis à ton voisin, tout est sec autour de nous. Non, il ne t'a pas entendu. Dis-lui, tout est sec autour de nous. Physiquement parlant, tout est sec parce qu'on dit il y a le chômage. C'est la sécheresse. Même au niveau des rencontres pour te marier avec quelqu'un, tout ça là, il y a la sécheresse. Le diable propose la séduction et puis les e-darling, les sites de rencontres païens et sites de rencontres aussi chrétiens. Tellement il y a la sécheresse, et bien les gens courent là-bas pour s'inscrire dans e-darling. Il y a la sécheresse sur tous les plans, même sur le plan spirituel. Ceux qui sont censés nous présenter Jésus nous racontent autre chose. Nous parlent de leurs aventures, nous parlent de leur vie, de leurs vacances là-bas. Mais on n'en a pas besoin. Nous voulons entendre une seule personne. Nous voulons entendre un seul message. Nous voulons entendre un seul nom. Le nom de Jésus. Le nom qui nous sauve, qui nous délivre, qui nous guérit. Le nom qui nous amène au ciel. Il y a la sécheresse dans tous les sens. Alléluia. Alors, ton Dieu, mon Dieu, notre Seigneur de gloire, il nous dit, quant à nous, on ne s'aperçoit pas de cette sécheresse-là et on ne cesse de porter du fruit. Il y a des soi-disant personnes qui se disent être des serviteurs de Dieu, mais ils galèrent. 5 ans de service, il n'y a pas de fruit. 10 ans, il ne faut que dire, moi je donne l'enseignement profond, moi je fais ceci, moi je vais vous donner des révélations. Mais où sont les fruits? Où sont les fruits? C'est la sécheresse. Il n'y a pas de fruits. Et la Bible dit, pour avoir des fruits, il faut être donc de ceux qui sont élus de Dieu, établis par Dieu. Et cela, par contre, même dans l'année de la sécheresse, comme là maintenant, nous y sommes en plein dedans. Eux, ils ne galèrent pas. Eux, ils ne forcent pas. Vous savez, bien-aimé, les fruits que tu peux porter parce que Dieu t'a oint, les fruits que tu peux voir dans ta vie parce que tu appartiens à Jésus, ce n'est pas, il n'y a pas besoin de jeûner pour ça. Tu n'as pas besoin d'aller faire 21 jours à sec pour ça. Mais ceux qui ne sont pas appelés, eux, ben par contre, ils vont mettre en place des cures de jeûne. 21 jours de jeûne à sec, une semaine à sec. Ils mettent des méthodes et des méthodes. Et tout le monde a la sécheresse, les chrétiens aussi courent là-bas. C'est parce que tu ne sais pas ton identité en Christ. Mais quand tu sais que tu es en Christ, tu sais que Jésus avait dit, avant même que tu naisses, il avait déjà crié, tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Avant même que tu naisses, avant même que tu sois touché par lui, il avait déjà tout accompli pour toi. Et dans Romains 5, 8, la Bible nous dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que même lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc on n'a absolument rien fait du tout. Nous n'avons absolument rien mérité. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu, parce qu'il nous a élus, il nous a choisis. Alléluia. Qui croit ce matin qu'il a été élu par Dieu? Qui croit qu'il a été choisi par Dieu? Bien-aimé, toi tu ne vas même pas galérer. Comment seulement te positionner dans ton Seigneur et commence à vivre en paix, à marcher en paix. Tu vas voir, les fruits vont couler d'elles-mêmes. Parce que la vie de Dieu est en toi. Il n'y a pas besoin de forcer pour ça. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Qui peut forcer pour se sanctifier? Qui peut forcer pour... Si tu as été appelé par Dieu, les miracles sont palpables. Quand tu prêches, Dieu touche les gens. Alléluia. Quand tu pries pour les malades, Dieu les guérit.
quand tu donnes un message de la part de Dieu, chaque enfant de Dieu atteste, non, ça vient de mon Dieu, ça vient de mon Père, c'est Dieu qui me parle au travers de cet homme, même si le monde entier le critique, mais toi tu sais que non, ton Dieu te parle au travers de lui, alléluia, et les fruits sont palpables, nous avons besoin de voir les fruits, on est fatigué de blablabla parce que les païens font la même chose, voilà. Les marabouts, ils viennent spécialiser hein, dans le voilà tel problème. Eh bien, je suis monsieur, je ne sais pas quel. Eh bien, je suis spécialisé dans telle chose. Mais les pasteurs, les serviteurs modernes, ils font la même chose. Mais par contre, ceux qui sont de Dieu n'ont pas besoin de faire ça. Alléluia. Ils te disent, tu as entendu des choses, tu souffres, viens et viens voir. Tu viens voir toi-même. Tu viens faire ton propre constat et Dieu te parlera. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Soyons encouragés. Et soyons plus que jamais déterminés. Soyons plus que jamais debout. Debout pour notre Dieu. Parce que les gens souffrent. Les gens souffrent. Jésus veut agir, il veut sauver, il veut guérir. Et il se trouve que c'est toi qui l'as choisi pour ça. Alléluia. Sois fier d'appartenir à Jésus. Et sois ferme au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Il a conquis mon cœur, il s'appelle.